817. 817 gouttes d'encre, 817 éclats de peinture, tissés de correspondance, où l'on rentre dans l'intimité des grandes voix. La lecture innerve le travail artistique d'en bas, l'essentiel de la poésie, recouverte par les pigments, dont on laisse des traces, des émergences, dans un texte souterrain. 817 étoiles, des échanges épistolaires, privés ou publics, comme les notes de résonance de la littérature, dans le geste du peintre qui vient, justement, étoiler la toile, la maculer de ses fragments de couleurs qui surgissent à la vue. 817 signes, comme l'alphabet d'une écriture, entre tissu du texte et tissu de la toile, dont nous serions les mots scellés dans le mystère de la création qui s'est nourri de la fréquentation des grands auteurs dans leurs confidences les plus secrètes. 817, comme une signature. J'ai pris des cours à Béziers à l'époque quand j'arrivais avec le mouvement d'art populaire, parce qu'il y avait les Beaux-Arts à Béziers et il y avait le mouvement d'art populaire. Mais les Beaux-Arts, c'était l'école classique, tout ça. Le mouvement d'art populaire, il regroupait quand même des anciens, des gens qui donnaient des cours de peinture et tout ça. J'ai commencé là. Et là, bon, j'ai travaillé le berbat de la peinture, quoi. C'était les débuts des années 60. Mais après, avec le temps, je me suis aperçu qu'il me manquait quelque chose. La nature, j'aimais bien. Mais il me manquait quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler, quand je suis venu vers l'abstraction, il me fallait quelque chose, des lectures. Et j'ai commencé à prendre le plus simple que j'ai trouvé pour essayer un peu d'aborder comme ça. Et après, je me suis aperçu que souvent, ce qui déclenche, comme quand on se promène dans la nature, c'est des fois un lieu. On trouve un lieu formidable. Le peintre, il mettait son chevalet et il peignait. Voilà.
Et moi, je me suis dit, quand je trouve une phrase ou un mot, ça me déclenche un tableau. Donc, j'ai dit, je vais mettre mon chevalet devant ce mot et je vais le travailler. Et j'ai commencé avec... j'en ai fait aussi beaucoup avec Christian Bobin, l'écrivain Christian Bobin. Et j'ai travaillé aussi, il a des phrases fabuleuses. Et je me suis dit, tiens, ça va me déboucher aussi sur ma peinture, quoi. Et c'est pour ça qu'après, je commençais la littérature. Mais c'est vrai que j'ai attaqué des livres que je finis jamais. Parce que, bon, ça m'arrête parce que bon, j'ai plus envie de le continuer, quoi. Ou peut-être parce qu'il y a un passage que là, par contre, je vais le lire 10 fois, 20 fois, 30 fois, parce qu'il m'amène, comme le lieu, quand on est dans la nature, il m'amène à mon tableau. Il y avait une chose qui m'avait frappé, c'était sur le grand boom. Aussi, on commençait à parler du canal du Midi, comme je suis quand même quelqu'un du coin et j'aime bien ma région, de la maladie des platanes. Et alors, j'avais assisté à une ou deux conférences là-dessus et je m'étais dit, en lisant Gustave Roux, j'avais trouvé des passages qui avaient une correspondance un peu avec ça, parce qu'il parlait, Gustave Roux, c'était un poète formidable. Un poète et qui travaillait beaucoup sur la nature, dont il marchait énormément. Dès le matin, il se levait, il marchait, et il composait que comme ça. Il observait tout, toute la nature, les travailleurs dans les champs, tout ça. Et il passait toujours par un chemin qui était rempli de papiers, et un beau jour, il écrit à son voisin, qui est parti à la ville, comme il dit, Gustave Roux, il dit, toi qui es parti à la ville, je vais t'expliquer, tu ne pourras plus prendre ce chemin, car ils ont taillé au cœur. Ils ont brisé au cœur tous ces peupliers pour agrandir la route. Et tout ça, ça m'a commencé à m'intéresser. Et j'ai commencé à lire ses correspondances à cette personne. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et peu à peu, en travaillant pendant 2 ans, quand je travaillais, ou 3 ans là-dessus, je suis venu à mon histoire, à mes correspondances personnelles, et mélanger à d'autres, quand même, pour continuer. Et j'ai dit, tu vas essayer. Et je commençais à travailler là-dessus, sur des correspondances, car j'ai fait pendant 28 mois la guerre d'Algérie, comme on appelait, comme c'était l'époque où tout le contingent allait là-bas. Et donc je correspondais avec, qui est maintenant mon épouse, avec Monique, je correspondais, et j'ai voulu travailler ces correspondances-là, avec tout ce qui s'est passé, tous ces moments difficiles, tout ce côté, dans les années, fin des années 50 et début des années 60, quelqu'un qui se retrouvait sur un bateau et qui allait à l'Algérie, il n'avait jamais vu un palmier de sa vie. Ça faisait drôle, quoi, d'arriver là-bas. Et donc, à partir de là, ça me forgeait cette idée de travailler. Et comment j'arrivais à traiter ces correspondances? Je les ai mis comme des gouttes d'encre. Ou comme des fois, Sophie m'a parlé en me disant aussi peut-être des gouttes de sang. Mais en fait, voilà, des gouttes d'encre qui, chaque fois, font la correspondance, quoi. Et là, ça m'a aidé à partir là-dessus. Et j'ai repris à fond. J'ai travaillé toute ma vie avec la plume, le roseau. Mais plus fort, c'est-à-dire travailler sur des correspondances collées, souvent, que je recouvrais. Et après, j'attaquais dans ma tête toutes ces correspondances en calligraphie, en tout. Je mords un peu la toile, la couleur, tout ça. Et voilà comment... je suis en train toujours de travailler sur ces correspondances. Je te connais un peu personnellement maintenant, et ouais. Aussi ta famille maintenant un peu aussi, ouais. Donc ta femme Monique. Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle est très importante auprès de toi. Ah ouais. Qu'elle, c'est vraiment deux vies entrecroisées, ouais. Ensemble, et que Ambar serait peut-être pas Ambar s'il n'y avait pas eu Monique aussi. Ah ouais, c'est pour ça que je signe MEBA, toujours. Ah oui, c'est important. Comme dit Françoise, quand on est en avant, quand on est en fond, on nous appelle les inséparables, comme les oiseaux. Voilà. Ah oui, c'est important. C'est important, très important. Ça, c'est 58, ça fait quoi? Ça va faire 60 ans, quoi. 50, qu'on se connaît. Voilà. Parce que je l'ai connu avant l'Algérie, puis je partais en Algérie. C'est pour ça qu'on a une correspondance de 817 lettres. 817 lettres. Et oui, c'est très important. Ouais. Pour ce que je fais. Alors les dessins à l'atelier de temps en temps, mettre la goutte de sel, c'est ce que je fais. On n'est pas toujours d'accord là, mais en fait c'est important. C'est important quand même. Hein. Voilà.
Jean.